Lolo. Bon, je pars avec ma charrette. Oh putain! Ah non! Oh la vache! Je suis en train de tout démolir avec ma charrette en fait. Tu devrais presque faire un pont de large. En fait. En fait, tu m'as demandé de faire une charrette pour détruire ma base. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, ouvre pas, utilise. Si, je suis dans la right position là. Not in the right position. Un pont de large. Oh putain! C'est facilement. Chez toi, t'as fait un pont de large? Bah, on n'a pas de douves, nous. Ah, c'est bon. Ah ouais, vous êtes pauvres. Mais, chez moi, il y a des douves. Bon, on va fermer les portes, hein. Attends. Ah, on peut les ouvrir dans les deux sens. Magnifique, c'est des mécanismes de pointe. Alors, est-ce que mon inventaire est clean? Ouais, il est pas mal clean. Oula, on va manger, hein. Oh non, il faudrait que je... Ah, il faudrait que je prenne de la bouffe. Quand même. On n'est jamais prêt, hein. Ah ouais, le marteau, je pourrais le ranger. On va le ranger ici. Ça sert à rien. Tous mes coffres sont pleins. Toi, tu prends pas quand en tu vrai, prends... le marteau, moi, je le prendrai, hein. Ah, tu le prends. Ok. Enfin, bon, la houe, je prends pas. Non. Je prends la houe. Je ne peux pas te spoil. Ah, pas de... Tu m'as spoilé. C'est pour réparer la charrette. C'est ah, ça, hein. Merde. Oh là là, mais t'es nul, hein. Tu me spoiles tout, hein. Oh là 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 là. Je vais arrêter. Plus de live, plus de stream. Plus de multijoueur. Fini, je vais m'enfermer dans ma cave. Allez, je suis dans la bonne position là. Ah. Oh. Comme c'est mignon. En plus, j'avais fait ce chemin, pourquoi je l'avais fait? Ah oui, c'était pour essayer comme ça. Parce qu'en fait, c'est un chemin que j'empruntais souvent, là. Pour aller à la forêt noire. Mais, j'ai fait pour tester. Enfin, toi, c'est comme ça que t'as fait les chemins? Avec la houe? Ouais. Ok. Mais j'avais peur qu'après, ça fasse ramer le monde. Je sais pas si tu m'avais dit que si tu... c'est Oshid qui m'a dit si on creusait trop ou je sais pas quoi, ça faisait ramer. Ouais. Mais là où ça va. D'accord. Bon, en fait, je pourrais courir. Oh là là. Et mon chemin là, il commence à venir un peu catastrophique. Oh putain! Dégâts de roue. Il y a quand même des petits lags par moment. Ouais, ça arrive ça. Mais là, je vais réussir à remonter avec ma charrette. Bon, on va dire que oui. Avec de l'élan peut-être. Oh putain, t'es sérieux? Ah ouais, il peine à monter. Allez, ça va. Bon, je vais la laisser là. Voilà, magnifique. J'aurais dû construire ma base proche de l'eau, en fait. Dans cette prairie, là, ça aurait été magnifique, en fait. Peut-être un peu proche de la forêt noire. Alors, du coup, vers les deux petits feux, il reste... du cuivre. Il faut que je... Non, la bouffe c'est bon. Bon, s'il vous plaît, pas d'ogre. Oh, sérieux.
Bon, on va faire la technique de l'arc. J'ai au moins déjà tué 4 ogres dans cette forêt. Ah bah ça arrive, hein. Non, ah mais j'ai pas de flèche. Ah putain! Ah non! Est-ce que je lui taillade les couilles? Oh non, mais c'est... Quel con! Roulade de combat! Ouais. Ah, mais comment tu veux que je lui découpe les couilles? Je peux pas lui couper les couilles. Moi j'ai jamais réussi. Ah ouais, super, super le plan du taillader les burnes quoi. Ah bah juste au bon moment là, c'est parfait. Y'a le criminel qui est là. Vous allez bien? Non, Ouais, on va toi? mal. Oh, tranquille, tranquille. Mais aussi, pourquoi tu as Pourquoi quoi? pourquoi tu as un rasoir pour lui. Parce qu'on m'a dit. Un homme m'a menti et il m'a dit que les ogres, il fallait leur taillader les couilles. Sauf qu'à chaque fois que j'essaie de lui couper les burnes, je me fais défoncer le cul. Mais t'arrives comme un sauvage ou tu te mets accroupi? Ouais, je me... T'as déjà coupé les couilles d'un troll, toi? Bah moi j'arrive derrière, je fais clic du milieu et puis il meurt en un coup. Hein. Avec mon gros coup de dos. Clic du milieu, c'est attaque. On avait dit pas de spoiler. Ah putain. Donc il faut aller par derrière. Ok. Non mais. Tu vois bien qu'il y a souris 3 à attaque secondaire. Bah ouais, maintenant je le vois bien, ouais. Ah putain, mais j'avais jamais vu ça moi non plus. Bah oui, t'as Oh l'attaque 1, t'as l'attaque 2, puis t'as l'attaque 3. shit, quitte cette conversation, tu vas trop nous spoiler là. J'ai envie Non, je d'être te laisse nul, une pub, moi. je reviens après. Ah, nickel. Ouais. Fume-en deux. Putain, le gars, il nous spoil tout, quoi. Mais du coup, pourquoi je vais quand même chercher des flèches? Puis du coup, on peut même aller derrière les serres, je pense. Mais oui. Enfin, ça doit être Mais une avec l'épée, biche. c'est juste magnifique, l'attaque 3. Attaque 3! Putain, t'es sérieux? 326 de dégâts, mec. Bon, va vite fumer et ne reviens plus. Meurs du cancer si possible. Oh là là, mais pendant toutes ces années, je me suis fait chier. Avec un arc? 262 dégâts. Mais dégage, t'es pas encore parti, toi! Bah, t'imagines, on fait 30 de dégâts nous avec nos épées niveau fer. Oh, j'aime plus ce jeu, hein. Tu m'as dégoûté du jeu, voilà. Je vais télécharger un autre jeu. J'ai vu un jeu qui a l'air pas mal, Infected, voilà. Ah merde, j'en ai déjà trop dit. Mais c'est avec des zombies, ça a l'air un peu comme celui-ci, mais c'est avec des zombies. Parce que là aussi, tu viens de me détruire le jeu. Tu vois. Ah, clairement, tu vas devenir surpuissant maintenant. Ouais, mais bon, je prends quand même des flèches. J'ai mis dans quel coffre les flèches? C'est dur, hein, d'être organisé. Ah, j'en ai un peu dans tous les coffres. Voilà. 40 flèches, ça me paraît bien. Mais t'as pas mis la cape de troll? Ben non, parce que j'ai pas encore assez. Tu sais, moi, hein, quand je me bats avec les trolls, je me bats comme un homme, tu sais. Je prends un Ah bah arc, oui. hein, puis je l'attaque à distance. Bah pareil. Hein? Non, toi, tu vas lui couper les couilles dans le dos avec la souris 3. C'est un truc Une de... fois j'ai fait ça. Après je me suis dit non, c'est pour KO, moi je vais faire autrement. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que je peux poser encore dans l'inventaire? Pourquoi j'ai du bois sur moi? Oh là là, je m'en sors pas, hein, je m'en sors pas. On peut pas crafter une viking femelle qui trie les coffres. Ok, bon. Demande à Hermione.
Mais toi, t'es censé plus être là. Oui, Qui Hermione. met non. Hermione, elle est où, Hermione? Je vais. Est-ce que. Ah non, mais vous pouvez pas avoir. Ah oui, là. Voilà. Non. Voilà, elle est à la fenêtre. Bon, il faut que j'aille chercher tout plein de cuivre. Parce que David, déjà, il m'a tout spoilé sur le cuivre. Les clous, les bateaux, la charrette. Tu veux dire que je t'ai expliqué les recettes qui sont venues à l'écran? Ouais. Gros spoil, hein. Bah ouais, c'est du spoil parce que voilà. Je n'avais pas lu. Ben ouais. Donc j'aurais dû galérer encore des heures et des heures. Mais non. Oh, j'aurais peut-être dû prendre du miel et faire de l'hydromel en fait. Ah, il est là notre ogre. Bon. Et il détruit ma charrette. Putain, l'enfoiré. Ah ouais, ils aiment bien les charrettes, J'ai un petit creux. les mobs. Il me semble qu'ils aiment bien beaucoup de choses. Putain, ma charrette. Ça va coûter des clous en bronze, ma charrette. J'espère que je peux les récupérer. Bien évidemment que je vais couper les couilles de cet ogre. Ah, au moins ils sont sympas, on récupère les clous, quoi. Ah mais du coup. Attention. Ah non. Du coup, ben non. Ah, il est là-bas, l'ogre. Alors. Par derrière à coupe. Croupi. Mais à combien de kilomètres à la ronde il faut y aller? Donc en un coup, on lui coupe les couilles. Bonjour, petit ogre. Ils ont des jolis slips, hein, les ogres. Non! Oh la vache! Ah! J'ai plus de stamina! Coupage de couilles! Il est pas mort, il est pas mort, mais il est presque mort. Putain, le coupage de couilles! Trop fort! Et là, une flèche dans la gueule! Ah ouais, ça lui fait rien la flèche. Sérieux? Ayo! Non, je suis gentil moi. Oh! Oh, excellent! Oh shit, t'es vraiment un enfoiré. Ah, il m'a donné sa tête. Bon. Bon, bah, sympa. Mais je pense que sérieusement, j'aurais jamais trouvé ça aussi vite, hein. Voire jamais, je sais pas. Bah, moi non plus, hein. Ouais. Il faut être quand même sacrément tordu. Ouais, il faut être complètement pervers pour faire ça. Ouais, aller en discrétion, derrière, et taillader les couilles d'un ogre avec l'attaque souris 3. Alors. Ouais, on n'est pas assez malsain, David. Pourtant, on fait des efforts, mais pas Ouais. encore. Ouais, c'est ça. Mais. Rome? Ah, t'es pas mort, toi? Alors? Figure-toi que je viens de découper les couilles de l'ogre. Il est pas mort en un coup, mais pas loin. Ah, pas vrai, tu vois. T'es vraiment un personnage très malsain. Bah, c'est beau de te voir faire du cuivre, c'est magnifique. Ah, t'aimes ça, hein? Bah, la dernière fois que je suis venu ici, il faisait nuit. Et j'ai eu des millions, des milliers de nains gris, là.
qu'ils arrêtaient pas de venir me... me fracasser la gueule. J'ai failli crever. Normal, normal. Ah, et une fois, je sais plus où, il y avait un spawner comme ça au milieu de la forêt. Truc de fou quand même. Ah, et comme j'ai pas ma charrette, je vais pas pouvoir en transporter beaucoup. T'as vu David, j'étais fermé un peu de fer, de métal là. J'ai vu ça, ouais. Moi-même, je suis allé chercher de l'argent. Excellent. Bande de riches. Vous ferez mieux de d'arrêter votre partie et de rejoindre la mienne. Vous êtes trop avancé. Vous allez trop être vite dégoûté du jeu. Donc, qu'est-ce qui nous manque pour aller éviter le prochain? De l'argent, de la viscosité. J'aimerais bien upgrader un peu mon arc. Ouais, pareil, je veux pas au prochain boss sans un arc valable. Voilà. J'ai été dans la neige là-haut une fois, mais il aime pas la neige en fait, mon viking. Non. Il Là, t'es faut. pas encore prêt pour ça, hein. Il faut se tricoter le même slip que les ogres. Si seulement. Est-ce que vous avez déjà vu une ogre femelle tricoter un slip? Ah putain, je suis déjà Pas un con. encore. Pas encore. Oh, qu'est-ce que je peux jarter? Ah bah, cette pierre. Voilà. Non, laissez-moi tranquille! Il fait froid, c'est la nuit. Putain. Combien j'ai? 12 cuivres. Ah ouais, ça va. Ah, je pensais que. Qu'il y aurait genre que 5 ou 6 minerais. Par. Comment on appelle ça? Par endroit. Ah, t'en as pas mal quand même. Ouais, je suis un peu rassuré quand même. Puis de cuivre, honnêtement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y a quoi 2 jours en arrière, j'ai gardé le même stuff, hein. Pierre, je prends pas la pierre. Non, ce que je disais, moi j'ai encore les jambières en bronze. C'est quand même dingue qu'on peut pas laisser. Ah, oh, je suis déjà encombré. Ah, encore. 0-1. Oh! Je fais quoi, moi? Oh là 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 là, il fait nuit, il fait froid. Je fais n'importe quoi. Non. Tu devrais vraiment prendre une épée. Ouais, mais pour ça, il lui faut du bronze. Ouais. Ouais, c'est ce que je veux. Parce que le petit couteau, ça va quand t'es un petit peu protégé puis que personne te voit, mais sinon, l'épée, elle est pas mal, quoi. Ah oui, je pense bien qu'une épée, c'est pas mal, mais bon. C'est pour ça que j'ai été chercher du... Qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, une vieille tombe. C'est pour ça que... Que je suis venu chercher du cuivre. C'est pour me faire une épée. Mais entre-temps, il y a eu plein d'aventures, quoi. T'es entré dans la vieille tombe là? Là-bas? Oui. Oui, Hein? oui, oui. C'est là que j'ai eu les cœurs de... Les cœurs de Surtling.
Mais là, je vais rentrer. Je vais me refaire une charrette. Mais attends, j'avais fait un sentier normalement. Je suis où, moi? Il sert à rien, mon sentier, si je le prends pas. Effectivement. Je vois que... Ah, c'est ça. Ah! Je suis sur mon sentier. Je vais refaire une charrette. Je vais retourner chercher des minerais. Et en premier, ouais, je vais me faire une épée. Puis tu veux reprendre un bouclier. J'ai un bouclier. Mais je le... Tu dis quoi, un bouclier en bronze? Bouclier rond. Ah. Ouais, mais le bouclier là, il est bien, il protège beaucoup, je trouve. Ouais, mais t'as pas l'effet déstabilisant. Attends, 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 arrête de spoiler. C'est quoi l'effet déstabilisant? Oh là là. Bah, quand le gars il t'attaque, si tu défends au moment où il attaque, il est déstabilisé, puis tu fais plus de dégâts. Ah ouais. Ah, mais il me semble que ça m'a aussi fait avec celui-là. Arrête de courir. Qu'est-ce qu'il fait? Ne cours plus. Ah. Ok, plein de charbon. Et on va mettre cuire tout ça. Ouais, de l'étain, j'en ai 19, c'est pas trop mal. Et du cuir, je vais en avoir pas mal aussi. Alors maintenant, il faut ranger un peu ce merdier. Du coup, Pilgrim, il a enfin fait joli le chemin. Ah, c'est moi ça. Ouais, j'en étais sûr. Merci, David. Tic. Ah. 5. Ah, mais il en faut. Il faut 10 pour une cape, je crois. De Qu'est-ce quoi qu'un. ça? Pour faire une cape en peau de troll. Ah, ouais, il faut 10 cuirs de troll. Donc, faudrait que je tue encore un troll. Ça va venir. Oui. Maintenant que j'ai découvert par moi-même une technique de me malade pour le faire. J'ai de quoi être fier. Alors. On va remplir ça. Ah, puis je pourrais faire de la bière aussi. Doit être fermenté. Base d'hydromel. Ah, mais c'est que de la base. Résistance au poison. Ah, ça peut être pas mal. Mais doit être fermenté, donc ça veut dire que c'est pas fini. Doit être fermenté. Comment on fait fermenter? Faut laisser pourrir dans un coin. Avec un fermenteur. Oh, j'ai pas le fermenteur. Regarde-toi dans ton marteau. Marteau, marteau, marteau. Il est où? Marteau, construction. Ah! Fabrication. Bah non, tu l'as pas encore. Enclume. C'est quoi ça? J'ai pas d'enclume, moi. Il faut aussi que je fasse une enclume. Mais d'abord épée. Il devrait faire qu'on doit attendre que ça refroidisse avant de pouvoir ramasser. Ah ouais. Ah ouais, ok.
Alors, Il te faut la hache pour faire le fermenteur. Ouais, d'accord. Mais attends, je voulais faire de la confiture, moi. Alors, pour la confiture, des myrtilles et des framboises. Oh, mais c'est tout simple. Alors, myrtilles et framboises. Oh là 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 là. Je vais jamais m'en sortir avec ces coffres. Oh là. Putain, j'ai pas beaucoup de framboises. Y a pas dans un autre coffre. Non, de myrtilles, pas de framboises. Oh. Ah ouais, j'en ai peu en fait. Ça, ça commence à être une véritable cuisine chez moi. Alors, confiture de la reine créée. Waouh! 4 sur 10, le bon vieux mélange classique de framboises et de myrtilles. Fabriqué par le Viking Roux. Poids 4. Vie 30, endurance 40, durée 1200 secondes. Régénération 2 HP par tic. Ok. Et la viande 2 HP par tic. Et ça, 2 HP par tic. Ouais, ok. Ouais, c'est pas exceptionnel, quoi. Si, en vrai, c'est pas mal. D'accord. Parce qu'il faut savoir plein de trucs et puis alterner. D'accord. Encore du spoil. Par contre, je me demande vraiment l'utilité de la charrette. Hein. Parce que si tu fabriques une charrette, tu te fais chier à transporter, puis que tu te fais défoncer, qu'elle se fait défoncer par un ogre. Oh, mais elle se fait défoncer parce que t'es nul. Ah, genre, il faudrait que je construise une maison, un garage, quoi, pour mettre à l'abri ma charrette. Faut la prendre avec toi jusque... jusqu'à ta destination. Ouais, d'accord. Ça avait l'air un peu scabreux, mais oui, oui, bon, je vais... Je vais le faire. Faut que je reconstruise une charrette. Ou alors, tu la refais, quoi. Tu peux récupérer les trucs, si elle se fait défoncer. Oui, j'ai récupéré. J'ai récupéré, je vais la faire. Alors, il faut les clous en bronze et du bois. D'accord. Les gens, les clous en bronze, est-ce qu'on peut les faire fondre? Non. Non. Et les têches de bois, pour les récupérer, c'est avec le marteau. Comme ça. Ouais. D'accord. C'est très spécial. Hein. Allez, prends ça. Pourquoi il est... Il a pas tout pris. Prends tout. C'est mal fait. Oh non, il prend pas tout. Bon, bizarre. Ah mais il a rien pris du tout en fait. Parce que t'as trop de poids. Mais non, j'ai 224. Bon. Ouais, mais un truc, un de ces machins là, c'est 50 bois. Sérieux? Ah ouais. Oh la vache. Alors, du coup, il faut que je refasse une tèche. Ah putain. Voilà. Ça. Oh putain, je m'en sors plus. Divise par deux, ok. Tac. Est-ce que je peux prendre ça? Voilà. Bon, charrette, nickel. À mettre là pour l'instant.
Est-ce que j'ai fait tout cuire le fer? Fonderie, il y a tout. Mais je peux remplir ici. Ok. Ah non, j'ai encore 5 à faire cuire, quel con! Alors, l'épée en bronze, attention. Ici. Clou, il m'en reste 10 clous. Je croyais que je les avais utilisés pour faire la charrette. Alors, pour faire l'épée en bronze, il faut 8 bronzes. Ah ouais. Je suis pas prêt d'avoir mon épée. Oh la vache. Je peux repartir d'ici avec ma charrette. Illico. Non. C'est trop bizarre en fait d'avoir l'inventaire du coffre en bas, je trouve. Je suis sûr que des fois je me Ouais. plante. Je prends ce qu'il y a dans le coffre, puis je me remplis l'inventaire avec. Ça m'arrive. C'est trop l'habitude de Minecraft, ça. Alors, bah, Ah, les mauvaises habitudes. les mauvaises habitudes. Ok. Bon, on va prendre que le bouclier rond. Pourtant, le l'écu. Bon, ça te ralentit, hein. Ça a une valeur défensive de 40. Bouclier rond de 30. Ouais, bon, ok. C'est pas grave. On va parader. Mais il faut parader juste, hein, sinon tu reçois plein de dégâts. Ouais, paradera juste. Mais merde, faut que j'attende que ça finisse de cuire. 2. Est-ce qu'il y a 4? Ah non. Bah, j'ai toujours pas compris si les objets au sol ils pouvaient despawn. Oui. D'accord. Au bout de 2 jours, normalement. Ah, 2 jours, ouais, on a quand même de la marge. Et là, ça a arrêté de cuire tout ça. Faut passer Mon pas les jours de inventaire. Minecraft, hein. Ouais. Mon inventaire, il est pas mal. Est-ce que je peux dormir? Si je peux dormir, je dors. Je peux pas dormir. Et je prends feu comme une merde. Quel boulet. Bon! Charrette, tentative numéro 2. En avant! Attends, du coup, la première fois que j'avais, je suis sorti de chez moi avec la charrette. C'était grandiose. Je suis passé dans le ravin avec. Excellent. D'ailleurs, David a une très bonne idée pour faire des courses avec des charrettes. Pour faire des courses. Ouais. Ouais. Quelle est ton idée, David? Je sais plus. Bah, faire une course. Ok. Ouais, mais faudrait les mêmes stats et tout. Faudrait les personnages exactement aux mêmes stats, puis Ah bah ma foi, après ça c'est activer les PVP. ce qui t'entraîne ou pas, hein, c'est comme dans le sport. Ah, parce que t'as la compétence charrette. Ah ouais, compétence améliorée. Ah non, courir. Et j'ai niveau 28 de course. Vous êtes à combien? 23. 23! Mais j'ai pas arrêté de mourir en chaîne. Mais Courir tu. 34. Ah. Ah mais oh shit, en fait t'es nul. Je me dis que j'étais bon. Ok. Bon voilà, là il est beau mon sentier.
Mais après aller dans la forêt noire avec la charrette? T'es sérieux? Ouais, ça va être sport. Quoi? Oh non. Qu'est-ce Les abeilles fonctionnent pas. Pourquoi? Elles ont besoin d'un espace plus ouvert. Hein? Ouais, c'est pénible les abeilles. Ouais, en fait, c'est 4x4 la charrette, quoi, c'est pas mal. Excellent! Bonjour! C'est le marchand de cuivre. Alors, c'est parti! Oh, is! Oh, is! Ah, c'est beau. Mais qu'est-ce que tu veux plus d'espace? Ça va, t'arrives à t'en sortir? Ouais, je crois Là, je pas. comprends pas. Le mec, il fait de la maltraitance d'insectes. T'es un précurseur, en fait. Parce que pour l'instant, c'est que la maltraitance sur animaux, mais toi, tu maltraites les insectes, quoi. Mais les insectes sont des animaux. Ah ouais? Eh ouais. D'accord. Je pensais que toi tu étais un animal. Putain, ça me Ah mais fait c'est penser. beau. Il est 8h54, ça veut dire que c'est l'heure de la bière. N'est-il pas? C'est pas faux. En plein jour, c'est dangereux, dans une forêt noire. Non, tu risques rien du tout. Ouais, ça pue du cul. Ouais, t'as vu Bon, mon dojo là-bas? tu surveilles ma charrette. Je reviens tout de suite, je vais juste au frigo. T'as vu mon dojo là-bas? Ouais, j'ai vu. C'est bon, il est rond, quoi. Par contre, je comprends pas le coup des abeilles là. Plus ouvert, ça veut dire qu'elles ont besoin d'aide. Elles ont pas besoin de toi. Santé. Mais c'est un bug, il a été codé avec le Bah, cul le celui-là, jeu. il fonctionne. Ok. Ah ouais, en fait, si on creuse la terre, il y a encore du minerai en dessous. Ouais. Ah oui, ils sont juste en dessous. C'est juste en dessous du top et ça marche. Personne ne m'avait dit ça. Ah. Ouais, certaines, elles marchent. Ouais, intéressant ça. Je vous apprends quelque chose là. Vous saviez ça qu'il fallait creuser autour des minerais aussi? Ouais, David. Ah bah, il y en a qui fonctionnent, putain. Y en a qui fonctionnent, non? Il n'y en a plus, il y en a encore. Y a peut-être trop d'abeilles au mètre carré. Il y a beaucoup trop d'abeilles. Oh, les piocheurs fous. Mais du coup. Bon, je te laisse t'occuper des abeilles, moi je vais chercher des. Je vais aller dans le marais, quoi. T'as failli me spoil. Non, je vais aller dans les marais. Tu vas farmer des witch. Non, il a une viscosité. Ah.
Des slims. T'es slim. Oh putain, j'ai pas réparé mon marteau ou quoi avant de venir ici. Ah mais je... Oh putain, j'ai une idée de génie. Ah mais j'ai pas de bois. Pas de bois. Pas de chocolat. Tiens, je suis vraiment pas organisé, hein. Bon, au moins les mobs là, ils ont l'air de me laisser tranquille. Je pense que la nuit, il y en a quand même beaucoup plus. Oh putain, j'ai Oh. cru que ça allait tomber sur ma charrette. Ouh, c'était chaud. Ah, mais c'est ça pour réparer avec l'établi. Je vais pas pouvoir. Parce que... Il faut un toit. Mais oui. Sérieux? Oh! Mais je peux faire un toit vite fait en fait. Un toit à 45 degrés, voilà. Regarde ça. Voilà. Hop. L'établi est trop exposé. C'est pas drôle, hein, j'ai plus de bois. Oh putain, j'en peux plus. Il va faire nuit. J'ai pas encore la technique. Ah. Et je suis encombré maintenant. Oh là 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 là. Ah. Le dispositif, c'est sur une escale. Alors. Ah. Le quoi? Viscosité, c'est sur les slims. Ah putain, parce qu'il y a vraiment des slims, moi je disais ça pour déconner. Non, c'est les arbres. Ah. Oh la merde. Oh la merde. Voilà, d'accord. Voilà. Eh oui. Voilà. Il est plus exposé là. Oh, tout ça pour faire ça. Ta 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 ta, magnifique. Et maintenant, on va pouvoir continuer de cueillir du cuivre. La vie est dure. Très dure. Bon, bah, elle me saoule ces abeilles-là. Mais ouais. Je comprends. Ah. T'as du fond du cœur, mais j'ai pas envie de m'en occuper. Oh là là, ça finit plus, c'est... Comment on appelle ça? Un tas de... Un amont. Un dépôt. Un dépôt. Du coup, j'espère que j'aurai assez d'étain, mais j'en ai pas mal. Oh, il y en a encore. Ou bien... Ah ouais! Ah, oh, sérieux? Je suis impressionné. Il y en a encore là-dessous. Je me sens plus reposé. Ah bah vivement le marteau piqueur quand même. Hein. Ouais. Vous l'avez déjà? David, oui, moi pas. Pioche 26.
Mais vous devez être à pioche 1000, genre. Combien j'en ai? 14. Combien il m'en fallait? 6000. Je suis à 20. Je suis à 20 en plus. 20. Ok. Mais la nuit arrive. Je pense. On est d'accord que si je laisse la charrette là, elle va pas passer la nuit, hein. Peut-être que si. Une chance Peut-être. sur deux. Ouais, bon. Bon, je rentre à la maison. Not in the right position. Mais si, je suis dans la right position, là. Vas-y. Au revoir. Je suis un esclave solitaire. Et je sens que je vais perdre les roues. Oh là 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 là. Ah, des myrtilles! Ah, c'est cool ça! On peut cueillir en ayant la charrette. Tu vois, dans Zelda, par exemple, on doit descendre du cheval pour cueillir. C'est quoi ces trucs? Des cailloux? Ça, je me le sens, tu vois. Zelda? Clairement. Ouais, de la grosse merde. Non, franchement, il est pas trop mal. Mais. Oh non, ma charrette! Reviens! C'est clairement une femme. Hein? Tu dois faire tous les temples et tout pour farmer des machins, et puis tes armes, elles se pètent au bout de 3 essais, c'est chiant, quoi. Non, il y a des armes solides quand même. Tu l'as fini le jeu, Il y a une toi? jambe là. Oui, je joue. Mais tu l'as fini? Mais au bout de 20 heures, j'en ai marre, quoi. Ok. D'accord. Ben là, Valheim, j'ai l'impression que tu commences à jouer genre à 7 h le soir. Puis tout d'un coup, t'as besoin de pisser, tu regardes l'heure, c'est 1 h du matin, quoi. Clairement. Ce qui veut dire, un jour, on se regardait dans le miroir puis on sera vieux. Voilà, Bon, il fait nuit. Là, t'imagines, tu joues à Valheim. Tu te regardes dans un miroir, t'es mort. tu te regardes plus dans le miroir, puis tu retournes à jouer. En fait, heureusement que j'avais fait ce chemin. Oh non, il y a un méchant. Laisse-moi vivre. Bon, bah, c'était le toit qui faisait chier. Ah. Ah, qu'est-ce que tu mets un toit sur Une des chance pour ruches? deux. Débutant. Attention, il faut pas que je passe dans le ravin. Ah Une non! chance sur deux, c'était sans trop preuve. Oh là là, le pilote du siècle. Il est où le nain gris là? Ah, t'oses pas venir chez moi, hein? Ah si, il ose. Besoin de quoi, ce que c'était? Oh, tout plein, tout plein. Saute dans ma douve! Oh. Voilà! Putain, c'est magnifique. Mais sincèrement, je pense que j'aurais peut-être pas eu besoin de la charrette. Du peu que j'ai transporté. J'ai plus dû rentrer en urgence pour sauver ma charrette. Attends, on va voir ce que j'ai dedans. Ah ouais, bon. Ah, j'ai rempli ma charrette de cailloux qui servent à rien, en fait. Ah, c'est intéressant. Bon, c'est clair que si j'avais dû transporter tout ça à main nue, voilà. Je suis encombré. Je me rappelle pas avoir mis ça dans la charrette. Hein. Oh, il faut toujours plus de coffres. Ah, mais je pourrais faire des tas de pierres en fait. Ah ouais, ok.
C'est ce qu'on va faire. Où mon bois? Ah. Voilà des yeux, ça on va tout de suite aller bourrer le fourneau. Est-ce que quand on dort ça cuit ou pas? Ouais. Ah ouais, le temps est vraiment ok. C'est pas mal ça. Charbon. J'ai plus de charbon déjà. Oh la vache, c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain. J'en peux plus de ces coffres. J'arrive pas à me gérer. Au secours. Ah, t'es de bon partout, c'est hyper pénible. Non, ce qui serait intéressant, c'est de mettre, tu vois, une sorte de pancarte pour ordrer tes trucs. Ouais. Ça, ce serait top. Que je rajoute des pancartes dans tout ce merdier. Oh la vache. Ah bah ouais. Non, mais je suis pas prêt. Alors, je veux faire un tas de cailloux. Pile de pierres. Il faut 50 pierres, mais j'en ai plein de pierres. Ah, voilà. Bon, on va mettre ça derrière le... Derrière mon petit chalet. Voilà. Et je peux plus. Ok. Non, mais je pense qu'il faudrait que je construise... un deuxième étage, en fait. Ouais, mais ça... Okay. Pour tes coffres? Ouais. Que tu peux les empiler les coffres. Ah ouais, c'est du spoil. Je vois pas directement, mais tu peux faire un mini plancher juste pour tes coffres. Ok. Ah, oh, faut que je fasse un garage pour cette charrette, elle va me faire chier. Il fait froid. Que j'avais déjà plus de charbon quand même, putain, ça c'est incroyable ça, ce que... ça bouffe, hein. Ouais, ça bouffe à mort. Bon, c'est plein, je vais dodo. Bonjour. Allez, on entend le bruit pendant la nuit. Excellent. Mais ça n'a pas tout cuit. Hop. Hop. Le miel. Ah, quand ça sauvegarde, ça lag. Tu vois, moi, mes abeilles, elles sont heureuses. Prends-en de la graine. Hein. Et je vais refaire de la confiture. C'est bien la confiture, n'empêche. Il avait fallu du miel. Ah, mais j'ai plus assez de myrtilles, je pense. Non, du tout. Plus assez de myrtilles. Ah si, il y en a là. Oh, mais il faut des fraises, en fait. Pas du miel.
Et je vais quand même faire ça. Base d'hydromel. Ça coûte cher, hein? Nouveau matériau, base d'hydromel. T'as que ça, tu es vraiment super puissant, hein? Alors 8 et 8. Et on peut planter, faire des champs de myrtilles, genre. Non! C'est que des myrtilles sauvages. Ouais, faut tout récolter. Ok. Oh là là! Ah ouais, il y a du boulot, hein. Et tu peux planter d'autres trucs. Ok. Ok. Bon, ça, on va mettre là. Ça, je dois faire cuire. Des pives. Et sérieux, les arbres, vous en plantez, vous? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Ah, ça veut dire que parce que sinon, vous détruisez les forêts, quoi. C'est un Putain. peu ça, ouais. Vous bûcheronnez comme des malades. Malades mentales. Ouais, t'as vu tout le charbon qu'il te faut, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est quand même un jeu de farming de malade, hein. Pas l'impression de farmer. Ouais, enfin, farming, on s'entend, hein. Mais t'es Faux. sérieux? Bon, bah il y aura pas de toit aux abeilles. Bah, normal, non? Je vais penser que je peux faire une ruche, moi. J'ai encore une reine, je crois. Que j'ai perdu. Ah là. Comment qu'on fait déjà? Les abeilles dans un air pur, non? Juste du bois. J'ai où le bois? J'ai pas de bois sur moi. Impressionnant. Maintenant qu'on a plus besoin, je fais que de trouver des graines, quoi. Des graines d'arbres. Oh non, de trucs pour planter. Oh là là. Je vais mettre où? Ici. Ça me paraît bien. Avec l'anus devant. Magnifique! Trois ruches. Il faut que j'aille voir mes cochons aussi. Ah, tu les as enfin apprivoisés? Bah, ils sont apprivoisés, mais le problème c'est que ils se reproduisent pas, les enculés. Ouais, faut leur donner à manger. Mais je leur donne à manger. Oui, mais il faut les caresser dans le sens du poil aussi. Oui, mais je fais que de les caresser tous les jours avec amour. Bon, là maintenant, voilà, ça y est. On a déclenché la colère des dieux. Mais ils sont amoureux, ils ont les cœurs jaunes et tout. Regarde ça. Sanglier, apprivoisé, semble avoir faim. Et il m'aime en plus. Mais il a faim. Lui aussi il m'aime, mais je leur donne. Tiens. Tu peux remanger. Champi. Voilà. Il faut leur donner 2 jours de suite, hein, la nourriture. Ouais, mais ça fait des semaines que j'ai nourri. Ah, tu n'as peut-être pas assez à manger. Ah, vous êtes compliqué, hein. Regardez, il mange même pas. Il laisse traîner. J'aime pas ton truc. Ouais, si, il en a mangé, hein. Que un. Faudrait des racines aussi. Mais je peux pas avoir de racines encore.
Enfin, c'est ça, sérieux, vous voulez pas me spoil en fait. Il faut des racines. Bah non, moi j'utilisais des champignons et puis des fruits et des légumes quoi. Ok. Bah, je sais pas, ils veulent pas. Traîner, puis au bout d'un moment j'en avais plein, puis David il venait les tuer, puis. Puis voilà. Je sais, je vais enlever toute l'herbe dans mon parc. Les cochons, ça aime pas l'herbe. Hein? Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse? Mais les cochons, ils aiment pas l'herbe. Là, il pleut, ils auront de la boue. Moi, ça, ils aiment pas l'herbe. Bah non, t'as déjà vu un cochon qui broute de l'herbe? Bah oui. Ah ouais? Bah ouais. Moi, jamais. Hein. Ils aiment des truffes. T'as déjà vécu avec à côté des cochons? Si, j'ai déjà vécu à côté d'une cochonne, mais pas d'un cochon. Totalement différent avec un cochon. C'est différent. Bah, ça mange pas d'herbe non plus. Hein. Bah, ça dépend. Ça change de truc. La salade, si c'est vrai. La salade. Voilà, quoi. J'ai failli houer un pissenlit. Voilà! Bah, le parc là, il a de la gueule. Voilà. Comme ça, on voit bien le champignon. Voilà! Il pleut pour tuer. On peut dormir quand il pleut pour tuer. Je vais aller bûcheronner un peu. Faire du bois. Et attaquer. Par surprise. Une biche. Coucou. Ah, oh là là, ce que c'est cruel. Pauvre bête. Mais franchement, je te défie en vrai d'aller de manière comment on appelle discrète derrière une biche ou un cerf. Ouais. C'est un peu abusé ça. Moi je galérais avec mon arc là. Et même rien qu'avec un arc, je pense que putain, ça doit être sacrément chaud. Oh là là, exactement à l'époque. Hein? Ils faisaient comment à l'époque? Avant qu'ils aient des flingues. Ah ben des lances, oui, mais c'était des bonhommes, c'était des vrais quoi, mais c'était chaud quoi. Mais non, même avec des flingues quoi, ils doivent boire de la bière à fond, être fin gelé, être à 150 mètres de la bestiole. Et hop! Une balle. Moi je dis c'est le. Ah mais ça c'est du bon. C'est les habits qui font tout. Hein. Les habits. Ouais, les habits réfléchissants qui font tout. Hein. Faut avoir du cuir de troll. T'es pas obligé de porter une tenue spéciale pour aller chasser. T'es pas obligé. Tu peux, c'est mieux. Enfin. Je sais pas si ça change franchement énormément. C'est clair que si t'es habillé en rouge pétant au milieu d'une forêt, ouais. Peut-être qu'ils vont. De toute façon, les animaux ils te sentent à distance. Hein. Avant de. Enfin, je sais pas. Je sais pas pour être franc. Oh là là, c'est la désolation chez moi. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Hein. Quoi? Putain, non, mais là, t'es salaud, quoi. Dégueulasse, franchement. Par rapport à Minecraft, c'est quand même beau ce que j'ai fait. Je me suis donné de la peine. K.O. qui dit que Valheim, c'est beau. Non. Ce que j'ai fait est beau. K.O. qui dit que Valheim, c'est beau. Mais ouais. Moi, comment dire?
J'aime pas les jeux, comment dire, trop réalistes avec des graphismes hyper trop beaux, trop réalistes, quoi. Oui, il faut que ce soit cadré, quoi. Bon, pas forcément, mais je veux dire, des graphismes comme Minecraft ou Valheim, ça me dérange pas trop. Enfin, Valheim, ce qui me dérangeait, c'était un peu trop flou. Mais là, bon, au bout d'un moment, on s'habitue, mais il me semble qu'avec les réglages graphiques que j'ai fait, c'est un petit peu. En tout cas, au loin, c'est moins flou. Je trouve que c'est un peu mieux. Après, Clairement. chacun ses goûts et. Les goûts et couleurs, voilà. Alors, ça, c'est pour le bois dur, mais j'en ai pas. Oh, les pissenlits, j'ai déjà mis dans quel coffre. Oh mon Dieu! Aidez-moi! Ce qui serait bien, tu vois, ce qui serait bien, c'est d'avoir une sorte de d'écriteau. Ouais, alors je vais faire des écriteaux. Mais attends. Je vais faire des écriteaux. Je vais le faire. Faut que je ramasse tout ça. Ah non. Il faut que je fasse des. Oh putain. Faut que je fasse des têches de bois, voilà. Voilà. Ça, maintenant, est-ce que je peux ramasser ça? Voilà, c'est magnifique. Ça, magnifique, on va remplir. Je peux pas? Ah oui. En fait, pour un charbon, il faut combien de bois, vous savez? Hein? Ah ouais? Non. Oui, je crois. Attends, là, il y en a 9. Ah ouais. J'aurais juré que il en fallait moins. Plus. Du coup, je vais mettre le cuir ici. Je vais prendre le bois. Et je vais faire des écriteaux. Mais voilà. Oh la vache. Non mais je peux. Ah non, ça va être trop bordélique. Bon, on va dire que les deux premiers coffres là, ça sera la bouffe. Et puis les deux là, voilà, on va faire des coffres par deux. Ça sera autre chose. Comment faire? Voilà. Magnifique. Alors, métaux. Oh, c'est beau. Et ici, on va dire nourriture. Voilà, deux coffres de nourriture. À côté de la nourriture, il faut que ce soit quoi? Nourriture et équipement. On peut pas faire de E accent aigu. Équipement de secours. AKS, sans S, AKS. Ah, mais on peut pas lire dessus. Ici, il faut être devant la tendance morte. Il faut que je tourne la pancarte. Il faut que tu écrives dans le bon sens. J'ai été dans mon sens. Nourriture. Oh! Il a été codé C'était avec de le l'autre cul, côté ce de la jeu. pancarte. Bah ouais, mais putain, c'est quoi cette merde? Oh! Ah non! Alors. Il faut que je tourne la pancarte comme ça. Ah ouais. Avec les trois petits machins en bas, non? Ah, qu'est-ce que je ferais sans vous? Je ne serais rien.
Nourriture. Ouais, bon, hein, c'est quand même chaud, ouais. Bon, on voit quand on passe dessus, quoi. Nourriture, ici, secours. Si je meurs, je récupère ce qu'il y a là-dedans. Ici, bois. Tout ce qui est bois, c'est là. Tout ce qui est pierre, c'est là. Végétaux. Oh là là. Et loot de meubles. Meubles. Voilà, maintenant les coffres, ils sont triés automatiquement tout seuls alors. Ou ça suffit pas d'écrire? Ça va bien là, non? Faut vraiment te répondre là ou pas? Bah ouais, qu'il faut me répondre. Oh là là. Vous voulez pas venir vous connecter sur ma map et venir? Pour trier tes coffres? Ouais. Ah, écoute. Je te déjà le faire chez moi, mince quoi. Putain, franchement, c'est un refus. Bon, le charbon, alors je le mets dans quoi? Charbon, je vais le mettre dans métaux. Voilà. Super. Ouais, j'ai pas fait de coffre charbon, putain. Pas Voilà. végétal. Ah, charbon, c'est végétal. Nous, on C'est pas l'avait acheté à la consommable. forge. On va pas s'en sortir. Oh, puis la résine. Oh non. Ah non, je suis foutu. Bah, tu mets pas à côté de la forge. La résine? Mais non, le charbon. Le charbon, il est dans le coffre métaux à côté de la forge, tu vois. T'as l'argent pour Ah, la fournir dans ta forge. j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris sans que tu me dises. Tu vois, tout seul. Regarde ça. Hop. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Et voilà. Oh, c'est beau. Oh là. Mais vous vous rendez compte, les progrès? C'est un truc de fou, hein. Chaos qui fait de l'antre, quoi, clairement. Bon, alors résine. Je mets dans le... Ah, le coffre à bois, ok. Non. Il faut que je fasse un coffre à résine. J'ai plus de bois maintenant. Oh putain. Ça c'est du bois dur, ça va pas. J'ai sérieusement plus de bois. Ils sont sérieux les mecs. Oh là 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 là. Toi tu dégages. Et maintenant, j'ai du bois. On va faire un coffre qui sera là. Et ça, je ne note pas. Et ici, un aussi. Voilà. Ça sera du bois de réserve pour faire du charbon. Et ici, ça sera la résine. Oh. Je trie tout ça. Oh. Ma mère va être fière. Oh là. Miel. Ça. Tout ça va dans la bouffe. Ça, c'est le truc de secours. Ok. C'est con que le. Enfin, le shift-click, ça sépare les stacks en deux, mais qui est pas un. Qu'on puisse pas faire genre une touche et que ça va directement dans le coffre, le. Ça Ça dormine. manque clairement. Y a pas, hein, ça. C'est quand même vachement pratique, ça, dans Minecraft. Clairement. Et là, c'est pour le charbon. Ok. Y a en fait. Ah ouais? Ah bon? C'est quoi? Contrôle. Ah ouais? Ah bon? Ah, t'es un génie! Ah ouais, mais ça fait trop bizarre en fait. Bon. Ah.
C'est un mec bien, ce David. Ouais. Ça, c'est mob, 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 mob. Et ici, c'est que bouffe. Tout la bouffe. Là, c'est l'équipement de secours. Oh! Dans équipement de secours, ici, ça sera les armes. La houe niveau 1, la houe niveau 3, je la garde sur moi. Les flèches, on va mettre là. Ça en prend, ça en prend. Ok. Ici, c'est tout ce qui est bois. Hop, hop. Oh. Ici, c'est la pierre, mais j'ai pas de pierre sur moi. Végétaux. Ah ouais, il faut que j'aille. David? Ouais. Si dans le doute je meurs dans une plaine, tu viens me chercher? Ouais, y a pas de viscosité dans les plaines. Oh. Oh mince. Mais il y en a sur mon cadavre. Ah. Je m'en sors pas. Non, mais t'inquiète. Mais t'es mort? Je tombe sur un village de gnomes. Eh ben, ça fait mal. Ah bah tu m'étonnes. C'est tout. Ça, on va aussi mettre là. Ça, c'est nourriture. Non! J'arrive pas à m'y faire. Alors, mob. Mob, mob. Mob. Secours, secours. Ça, c'est mob aussi. Ouais, mais on va mettre dans le bois, ça. Ça, c'est mob, mob, mob. Ça, c'est nourriture. Ça veut dire que c'est Ouais, pas ben, bon. je viens. Volontiers. Non, mais t'inquiète pas, je vais retrouver. J'ai fini mon truc là. Tu t'es fait un bouclier rond. Moi? Je me suis fait un bouclier rond. Justement, je l'ai pas encore testé. Attends, faut juste que je passe à un truc. Ah, ok. Et ça, on va mettre dans bois. Bois, 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 bois. 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 Graines de bois, bois. Ça, c'est mob. Ça, c'est végétaux. Silex, on va mettre dans pierre. Ça c'est équipement au cas où. De secours. Ça c'est graines de bois. Ça c'est végétaux, végétaux. Dans végétaux, tac, tac, tac. C'est un bateau du coup. Non. Bah pour ramener le fer. Nourriture. Oui. Charbon. Oh là 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 là. Tout le charbon. Bah c'est 21h36, ça va être chaud là, non? De quoi? C'est plutôt l'heure d'aller dormir. Ça, je devrais faire un coffre de choses précieuses.
Ouais, bientôt, enfin ça dépend, t'en as pour longtemps à aller chercher. Non, bah j'y vais, je meurs, je reviens, quoi. À côté du lit. Ça, c'est le coffre précieux, mais on ne le marque pas. Voilà. Voilà. Bois. Dans mon coffre bois, il y a du bois. Vous vous rendez compte? Dans le coffre de pierre, il y a pierre. Ça, c'est outil de secours. Une hache de secours. En silex niveau 3. Et là, j'ai une niveau 1. Hein, mais sérieux, qu'est-ce que je fous? Mon Dieu! Ça, c'est tout discours, ça, c'est vrai. Ça, c'est tout de la bouffe. Tout de la bouffe. Magnifique! Tout du métaux. Il faudrait juste qu'on fasse passer la nuit. Tout des loots de mobs. Tout des végétaux. Tout de la pierre. Oh! Et les graines, on va mettre dans végétaux. Et les mecs! Tout est trié. Ça va être Alors, bon. à part le cuir. Le cuir, je mets dans quoi cuir? Précieux. Pour. Peau! Faut faire un coffre peau, sérieux? On a 5, nous. Il y en avait 5! Coffre peau! Putain de merde. Ok. En tout cas, 4. Alors là, je vais mettre un panneau. Il manque quelque chose. Il faut du charbon pour faire une pancarte. Vous êtes sérieux, les mecs? Putain, il faut du charbon. Voilà. Il faut du charbon pour faire une pancarte. Ça, c'est précieux. Ok. 5. La vache. Voilà. Précieux. Pau! On est en train de vivre un truc de fou quand même. Grand nombre. Tout est ordonné. Et en fait, cette poutre qui sert à rien, je peux l'enlever, en fait, m'a-t-on dit. Tout est vert. Et si j'enlève? Tout est vert. Tout. Ah, ah voilà. Et ben voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est là-bas. C'est magnifique. Et du coup, c'est un nouveau jour. Je vais aller nourrir les porcs. On va leur donner des fraises, des framboises. Ah, tu cherchais du charbon? Qui? Moi? David. Non. Bah, ici, le grand. Et on va nourrir les gros porcs. Oh, ils sont venus détruire mes établis, quelle bande d'enculés. Coucou les porcs. Oh oui, tu m'aimes. Oh, il a faim? Non, il est heureux et il n'a pas faim. Et toi? Tu vois, ils sont tous heureux, ils m'aiment, mais ils n'ont pas faim. Bon, je vous nourris quand même. Il 13. faut les mettre plus proches pour qu'ils s'obligent à se mettre à côté. C'est ça, Mon espace. mon parc est trop grand, quoi. Exact. Ah, mais ça, je l'ai demandé à plusieurs reprises. Ça fait plusieurs jours que je le dis, mais en fait, vous m'avez jamais rien dit. Ouais, je me dis, tu leur donnes pas à manger, de toute façon ils vont pas se reproduire. Donc il fallait enlever les erreurs une après les autres. Hein.
Ouais, mais ça a été codé avec le cul. Justement, moi je leur ai fait un espace spacieux et tout, ils devraient être heureux, mes porcs. Bon, j'attendrai C'est qu'ils aient. justement eux qui n'ont pas envie de se produire, c'est normal, non? Ah ouais, il faudrait que je les frappe en fait pour qu'il y ait un peu d'instinct de survie. Exactement. Établi requis. Oh, ils ont bougé mon établi. Oh non, la vie est trop dure, coincé. Ah. Y a un méchant là-bas. Bon. La vie est trop dure sans confiture. De toute façon. Ah! Petite pause. Une petite pause s'impose.